Papa, regarde. Mais non, Malo, mais j'ai pas le temps de regarder. Papa, qu'est-ce... regarde. Malo, je suis en train de travailler, là. Papa, regarde. Oui, bah, elle est pas très très belle, ta plante, Malo. Elle est belle, c'est juste qu'elle a un trou. Et alors, elle a un trou, et alors? Tout comme toi. Comment ça, comme moi? Bah, là aussi, t'as un trou. Où ça, j'ai un trou? Bah, ici. Dans les cheveux? Oui. En fait, t'es en train de me dire que ta plante ouais. a un trou dans les cheveux comme moi. Oui. En train de dire que je suis en train de perdre mes cheveux, Malo. Oui. Tu sais que c'est un gros complexe, ça. Bah, toi, tu perds tes dents, toi. Bah, je vous laisse découvrir la vidéo. C'est une vidéo concernant un petit peu de décoration et puis aussi un petit peu de technique pour passer les joints. Dans ce chantier, il y a deux types de carreaux, de l'imitation bois et du carrelage 60-60. À la base, la couleur des joints était gris, gris standard, gris bétonté. Moi, ce que j'ai proposé, c'est un gris anthracite. Ça va faire ressortir toutes les veines du carrelage imitation bois. Ça va faire un aspect assez uniforme au niveau des 60-60 qui sont anthracites. Et puis surtout, on est aussi dans un esprit de décoration un petit peu industriel, un petit peu atelier. Et là-bas, c'est l'esprit un petit peu verrière. On a le carrelage imitation bois et là notre 60-60. Et comme vous voyez, mes arasements, en fait, les dessus des plantes ont été faits à la colle blanche. Pour faire des joints propres, il va falloir les creuser un petit peu si vous avez laissé un petit peu de colle. Et puis surtout, il va falloir passer l'aspirateur. Allez, c'est parti. Allez, j'ai un petit peu d'eau. Le faire pas trop liquide. Bon allez, c'est parti. Alors toujours en diagonale avec le petit platoir, on va bien remplir le joint. On va en ramasser. Bon, on aura à nettoyer. Regardez comme ce joint anthracite fait ressortir les veines du bois. C'est relativement efficace. Eh bien, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Prenez soin de vous. Et salut à tous!